Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale dans le vent, chez moi en Bretagne. Je suis rentré pour les fêtes, on est aujourd'hui le 24 décembre. Aujourd'hui, on s'attaque à un test 5 km. 5 000, diront les puristes, puisqu'on va le réaliser sur la piste qui est juste derrière moi. Alors, pourquoi faire un test 5 km en cette période? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que dernièrement, j'ai mis assez peu de dossards et j'en mettrai assez peu vers le marathon de Paris. Donc c'est l'occasion de recréer une séance allure course, et ça, c'est toujours très intéressant. Et la deuxième chose, c'est que je sors d'une période de prépa générale. J'ai réalisé deux blocs d'entraînement de 4 semaines suite à ma coupure début novembre. Donc c'est pour voir où est-ce que se situe la forme après ces deux phases de prépa générale. Phase générale où j'ai fait de la VMA, j'ai pas fait de spécifique pour ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, bien sûr, et j'ai pas non plus fait de spécifique pour le marathon. Donc voilà, deux objectifs aujourd'hui. Me mettre en condition course et me faire un effort presque maximal ou du moins un effort intense, au moins un 8 sur 10 en cote d'effort. Et la deuxième chose, voir où se situe la forme pour attaquer la phase de prépa spécifique cette fois-ci du marathon. Donc je ne sais pas si vous l'entendez au micro, mais en tout cas les conditions sont très venteuses, beaucoup de vent. Alors il fait très doux par contre, ça c'est cool, c'est l'avantage de la Bretagne. Mais à chaque fois que je viens ici, j'ai un vent qui est complètement fou. Bon, c'est comme ça fait partie du charme local. Maintenant, je vais aller m'échauffer tranquillement, je vais me faire quelques bornes d'échauffement, quelques lignes droites, j'enfilerai les Vaporfly et je vous amène avec moi sur le 5 km. À tout de suite! Bon, concernant la forme globale, c'est plutôt correct. J'ai passé quelques bonnes séances, j'en suis assez content, notamment la séance Michigan. Après, j'ai eu aussi quelques petits pépins. J'étais malade il y a 10 jours. Je vous passe les détails, mais ça m'a scotché quelques jours au lit. Et puis, j'ai aussi eu une semaine où j'ai dû couper parce que je me suis un petit peu blessé au mollet. Bref, il y a eu quelques moments de bons entraînements et puis quelques moments un petit peu entrecoupés par blessures et maladies, mais comme beaucoup d'entre vous en cette période de fin d'année. Ce qui est marrant à venir ici, c'est que c'est la piste dans laquelle je courais quand j'étais plus jeune, que j'ai fait un peu d'athlé quand j'étais gamin, de 10, 12, 13 ans, je sais plus, et puis j'ai fait du foot un peu après. Et donc c'était là que je m'entraînais. Donc c'est une forme de nostalgie. C'est assez cool de revenir ici. Par contre, il y a un critère que j'avais pas du tout en tête. Alors peut-être que ça a changé. En fait, j'arrive pas à m'en rappeler. C'est que la piste, c'est du cendré. C'est des cailloux. C'est pas du tout une piste d'athlétisme comme je l'aurais pensé. Donc j'ai vérifié. Par contre, elle fait bien la distance. Mais c'est clair que c'est pas un revêtement propice à aller vite. Mais enfin, peu importe. On va attaquer la sortie. Alors avec le vent. Et la piste pas forcément très adaptée, j'ai pas d'objectif chronométrique trop ambitieux. Encore une fois, comme je disais, faire au mieux, moins de 18, c'est clair, et puis autour de 17 peut-être. En fait, je n'en ai aucune idée. Donc on va voir. Allez, j'enfile les vapeurs et je finis mon échauffement. À tout de suite. Échauffement terminé. Eh bien, beaucoup de vent, notamment dans la ligne opposée. Pas évident de tenir une bonne allure derrière, mais à la rigueur, on récupère un petit avantage dans l'autre ligne. Avantage relatif. Le bénéfice étant moindre que l'aspect négatif de l'autre côté. Enfin, ça va être cool. Ça va être dur. 12 tours et demi, c'est à la fois long et à la fois court. Il va y avoir sans doute un peu de souffrance sur les derniers tours. Mais ça fait partie du jeu. C'est un petit cadeau de Noël que je m'offre. Allez, je suis parti.
très bien. Vous connaissez ces ressentis quand après avoir fait la séance, vous n'avez même pas envie de faire la récup. Et bien clairement, c'est l'état dans lequel je suis maintenant. Voilà, 5 km ou 5000 mètres de fait sur la piste. J'ai vraiment, vraiment subi le vent dans la ligne droite et dans le virage opposé. Et ouais, c'était vraiment, ça soufflait par rafale et ah, j'étais scotché dans le vent. Enfin, une bonne session de fête, j'en suis satisfait. Je suis parti un tout petit peu fort parce que finalement, je ne savais pas trop dans quelle allure partir. Et puis ça s'est régulé et j'ai fini, si je ne me trompe pas, en 16:56, je pense. Alors le chrono est anecdotique. Plutôt satisfait quand même d'être sous les 17. Après, je me suis quand même employé pour passer dessous. Ce n'était pas facile comme effort, loin de là. Et je vous donne l'info aujourd'hui. Prochainement, je vais faire une sortie un peu particulière sur piste. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, je vais profiter des fêtes en Bretagne avec ma famille. Quand vous verrez cette vidéo, les fêtes seront passées et vous attaquerez 2024. Et j'espère que pour vous, ce sera plein de projets réussis. À la prochaine. Ciao !